non seulement la Journée internationale des droits des femmes, mais également l'excellence féminine à travers la remise du prix AWA, un événement dédié à l'empowerment et au développement de l'entrepreneuriat féminin. C'est avec une joie profonde que je me joins à vous aujourd'hui pour la cérémonie de remise des prix AWA 2023 aux remarquables lauréates béninoises, marquant ainsi la célébration internationale des droits des femmes. Distingués invités, l'ascension de l'entrepreneuriat féminin se dresse comme un pilier essentiel pour l'atteinte des objectifs de développement durable. C'est une force motrice pour lutter contre la pauvreté, promouvoir l'égalité des sexes et accéder à des emplois décents. Le prix AWA, c'est pas juste une remise de prix, des belles robes. En fait, c'est un projet autour de l'entrepreneuriat des femmes qui se décompose en deux parties. Il y a une partie concours. Donc on fait chaque année un concours sur 18 pays. Au-delà de ce concours, on fait aussi des actions, du contenu. Donc c'est-à-dire, dans les 18 pays plus la Belgique, donc 19 pays, on essaye de faire des événements de sensibilisation, par exemple autour des violences liées au genre, de la lutte contre les violences liées au genre, des formations, également du networking, parce qu'on promeut en fait un échange circulaire. Et ce prix, je pense, représente beaucoup. Et pour toutes celles, comme je le disais, qui m'ont dit « je te soutiens », je leur promis que au prochain lancement du prix AWA, je m'engageais à accompagner toutes celles qui vont soumissionner au prix et qui vont atteindre cette étape de finale. Cet événement vise aussi à sensibiliser chacune et chacun d'entre vous aux belles opportunités que représente l'entrepreneuriat pour les femmes et inviter à vous y engager, ainsi qu'aider vos sœurs, vos amis, vos collègues, vos mamans pour éventuellement se présenter pour la prochaine édition de ce concours. Nos lauréats constituent des modèles de réussite pour leurs semblables, avec les vrais critères de la réussite. Vous récompensez en Belgique et vous célébrez ici au Bénin à vos sources ne peut inspirer beaucoup d'autres béninoises. Vive le génie des femmes béninoises. Je vous remercie.